Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Donc je vais filmer plusieurs séquences au fil de 2 semaines avec les différents endroits dans lesquels je me rends pour les courses alimentaires, vraiment pour les repas du quotidien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le plein de courses en grande distribution. Donc moi je fais essentiellement mes courses au drive. Je dis essentiellement, mais franchement je crois que vraiment 99% du temps je fais mes courses en drive parce que ça me convient très très bien. Je peux faire mes paniers depuis chez moi en regardant ce qui reste dans le frigo. On a une liste qui est hyper bien établie avec ce qui nous manque. Et il n'y a pas de perte de temps. Je supporte pas faire les courses dans un magasin conventionnel. Maintenant le drive c'est vraiment c'est vraiment rentré dans nos habitudes. Et parfois c'est Quentin qui va le chercher, c'est moi qui fais la liste. Enfin voilà, on se panache très très bien les tâches. Et vraiment c'est la façon la plus simple pour nous de penser nos différents menus. En parlant de menu, moi je fais pas vraiment de menu à l'avance dans le sens où je me fais pas un calendrier. J'admire les gens qui font ça, mais j'en suis complètement incapable. Avec vraiment les plats midi et soir, jour par jour, où il n'y a vraiment aucun imprévu. Moi globalement je prépare, je dis moi parce que c'est vraiment tout ce qui est organisation des repas, c'est vraiment moi qui m'en occupe. On a un bon partage des tâches pour tout le reste, mais pour les repas c'est vraiment essentiellement moi. Je me sers d'une application qui s'appelle Joe, c'est pas du tout sponsorisé, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Je vous en ai parlé dans une vidéo favorites que je vous mets sur l'écran. Donc je vais pas tout vous expliquer parce que je vous avais tout expliqué dans cette vidéo, mais c'est un principe qui vous permet de faire des recettes avec des paniers repas tout prêts qui se mettent dans votre panier de drive hyper facilement. Enfin bref, moi ça a complètement révolutionné ma façon de faire à manger parce que les recettes sont simples, elles sont faites avec des ingrédients vraiment trouvables dans la grande distribution et il n'y a pas d'ingrédients farfelus qu'on trouve jamais, qu'on n'a pas dans ses placards. Enfin bref, c'est un système que j'adore. Donc on va dire que je fais les courses au drive tous les... Je me rends pas trop compte, puis ça dépend vraiment si je mange beaucoup au travail, donc si je me fais des boîtes etc, ou si on commande un peu à l'extérieur. On va dire que tous les 15 jours environ, je fais des courses au drive. En dehors de ça, on a deux congélateurs qui sont de belle capacité, dans lesquels il y a beaucoup de choses. Donc s'il n'y a plus rien dans le frigo, plus rien dans les placards, il y a toujours quelque chose qui traîne dans le congélateur. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente les courses du drive et je vous retrouve dans le reste de la vidéo pour les autres petites courses ponctuelles dans d'autres enseignes. Oui, et si j'arrive à finir ma pensée, la vidéo part déjà dans tous les sens. Donc ces fameuses recettes avec l'application de Joe, j'en sélectionne peut-être 4 ou 5 par panier de drive et après j'achète des ingrédients incontournables qui me servent à faire des recettes qui fonctionnent avec à peu près n'importe quel ingrédient, des quiches, des tartes salées, des cakes, des gratins, enfin voilà, j'ai un peu des basiques que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc au drive Carrefour, vous récupérez vos courses dans ces sacs en papier que moi je redonne en fait la fois suivante. Il y a une grande caisse en fait qui est disponible dans laquelle vous pouvez remettre les sacs quand ils sont en bon état. J'en ai juste un là qui a une poignée qui est cassée qu'il faudra que je jette. Mais c'est du papier recyclable, donc je préférerais ne pas avoir à récupérer des sacs, mais c'est vraiment juste pas possible autrement, donc je fais avec. Ce que je vais faire, je vais tout trier par rayon frais, épicerie, etc. Et puis je vous présente au fur et à mesure le contenu du panier. Voilà, donc j'ai tout déballé, on va commencer par les fruits et légumes. Sachant que je n'achète pas tous mes fruits et légumes en supermarché, on a un primeur pas très loin de chez nous. Je me rends chez le primeur, je sais pas, je me rends pas bien compte, toutes les semaines ou un peu plus rarement, ça dépend des saisons. Par exemple en été pour des fruits qui se tiennent pas comme des fraises, des melons, j'y vais peut-être plus souvent, et en hiver peut-être un peu moins souvent, mais aujourd'hui j'ai pas le temps d'y aller, je travaille tout le week-end, donc il fallait que j'ai quand même un stock de fruits et légumes. Donc j'ai fait une partie, voilà, des achats fruits et légumes au supermarché, mais c'est pas toujours comme ça. J'achète pas de fruits et légumes bio, c'est probablement une erreur, mais voilà, je consomme plutôt des fruits et légumes traditionnels. Et j'essaye au maximum de consommer des choses de saison. Bon, je suis pas parfaite du tout dans le domaine, mais vraiment j'aurais pu faire l'erreur il y a quelques années d'acheter des tomates en janvier, et franchement c'est quelque chose que je fais plus. Donc j'ai pris des champignons de Paris, là ils sont bio, il se trouve que j'ai pas eu le choix, il y avait que ça. Donc voilà, moi le bio c'est plus quand il n'y a pas vraiment le choix. C'est pour faire des galettes jambon, fromage et champignons, c'est une recette Joe. J'ai pris des petites fraises, ce sont des gariguettes. J'essaye de prendre des fruits essentiellement français, il y a quelques petites exceptions. À commencer par les myrtilles, je crois qu'elles viennent d'Espagne. Inès adore ça, et si vous avez des enfants, vous savez à quel point parfois ça peut être compliqué de leur faire manger des fruits et légumes. Donc on n'a pas trop à se plaindre, Inès, c'est vraiment pas compliqué au niveau des repas, mais elle adore les myrtilles, donc je lui en ai pris. Ensuite j'ai pris un brocoli, lui à nouveau il est bio parce que je crois que j'ai pas eu le choix. J'ai pris des bananes parce que toute la famille adore ça, et ouais, vraiment c'est le fruit qu'on a toujours dans notre corbeille à fruits.
J'ai pris des asperges parce que j'ai une recette de risotto aux asperges de chez Joe d'ailleurs, de l'application Joe. J'ai pris du persil, alors le bouquet est immense. Donc il va falloir que je trouve une autre recette, je me souviens plus pour quelle recette c'est, toujours de l'appli Joe, mais en tout cas il en fallait, et puis je me suis dit bah, autant prendre frais, je crois que j'en ai au congélateur. J'ai pris des pommes, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, et je vous montre les œufs, mais ça serait plus dans le rayon frais après, mais j'ai pris des œufs, j'en ai pris 15. Pourquoi j'en ai pris 15? Parce que je dois faire un gâteau pour demain, donc il me faudra 3 œufs. Quentin veut que j'en fasse un tiramisu, donc il faudra à nouveau 3 œufs, donc bref, ils vont être très très vite passés. Et on est des bons consommateurs d'œufs, on en consomme vraiment pas mal. Et toujours au rayon frais parce que ça rentre pas vraiment dans une catégorie, une baguette, j'achète jamais le pain au supermarché, sauf le jour où je fais le drive. Et là pour le coup je prends la baguette bio parce qu'elle est objectivement meilleure. C'est une baguette aux céréales, elle est vraiment très bonne. Mais sinon je vais à la boulangerie qui est juste à côté de chez nous. Ensuite on passe au rayon frais, donc tout ce qui va rentrer dans le frigo, je le fais maintenant comme ça je le range juste après. J'ai pris, alors ça c'est la petite exception qui confirme la règle, des chipolatas. J'achète pas la viande en grande surface. Je vais parfois chez le boucher, mais quand je vais chez le boucher c'est vraiment pour consommer la viande dans la journée, voire le lendemain. Mais en fait moi tout ce qui est viande, poisson, c'est au congélateur. Donc j'achète soit chez le boucher et je congèle. Mais en fait très régulièrement j'achète directement chez Picard, qui est vraiment ma deuxième maison. Je suis picarophile. Donc la seule exception c'est saucisse que je trouve très bonne, et Inès aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que sinon je m'approvisionne davantage chez Picard. Ensuite des allumettes fumées bio, parce qu'à nouveau il n'y avait que ça, mais sinon je prends celle de la marque Carrefour. Ça me sert pour plein de choses, pour faire des quiches. Ça fait vraiment partie de mes ingrédients de base que j'ai toujours toujours dans le frigo. Ensuite j'ai acheté de la viande hachée. Là je l'ai prise bio pareil parce que ça m'a arrangé au niveau des quantités. Je prends toujours 5% de matière grasse parce que je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir plus. Et j'ai pris 2 petits steaks hachés à côté parce que voilà, en termes de quantité c'est ce qu'il me fallait. C'est pour faire des lasagnes que je vais cuisiner probablement aujourd'hui ou demain. Comme ça on aura à manger pour le week-end sans se soucier des repas. Ensuite j'ai pris des yaourts à boire pour Inès. Voilà, elle mange souvent ça en dessert, elle aime bien. Ce sont les Danonino. Voilà, je prends pas toujours ceux-là, souvent je prends ceux de chez Les Deux Vaches, mais ils en avaient plus. J'ai pris des yaourts à la vanille, je prends la marque Carrefour avec les pots en verre, on les adore, et c'est vraiment l'équivalent des yaourts de la laitière, sauf que c'est pas écrit la laitière dessus. Ensuite des perles de lait sur lit au caramel à la fleur de sel, j'ai acheté ça un peu par erreur il y a quelques temps, en fait c'est délicieux, donc j'en ai repris un paquet. Des petits riz au lait à la vanille, à la laitière, ça aussi on aime beaucoup quand on a un repas un petit peu léger, c'est bien de manger ça en dessert. Des fromages blancs, ça c'est le petit déjeuner de prédilection d'Inès, je les prends de la marque Carrefour avec 3% de matière grasse, avec soit un peu de coulis de fraises ou un peu de compote dedans, elle aime beaucoup, et vu qu'elle prend plus de biberon le matin c'est ce qu'elle mange. Ensuite 2 paquets de fromage râpé, donc je prends toujours les mentales râpées de la marque Carrefour. Pourquoi 2 paquets? Parce que je vais m'en servir dans les lasagnes, et j'ai une autre recette, ah bah les fameuses galettes à la forestière, donc le premier paquet va être vite descendu, donc j'en ai pris 2. En parlant des galettes, bah, des galettes de blé noir à garnir de la marque Carrefour, je les ai déjà prises, elles sont vraiment excellentes. Des gnocchis à poêler, Inès a une passion pour les gnocchis, enfin, moi aussi j'aime beaucoup ça, et ça c'est vraiment pour le soir où j'ai aucune idée de quoi faire à manger et que je veux un truc qui aille vite et qui plaise à tout le monde. Donc les gnocchis à poêler de chez Les Sucrus, ça doit pas être excellent en termes de composition, mais une fois de temps en temps ça fait pas mal. Toujours au rayon frais, j'ai pris de la mozzarella, j'en ai besoin pour une recette Joe, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas il en fallait, et du fromage Sainte-Maure de chez Soignon. On se fait des tartines avec un peu d'huile d'olive passée au four avec du fromage comme ça, du fromage de chèvre, c'est délicieux, avec une petite salade le soir, un délice. Encore des yaourts à boire pour Inès, ce sont ceux sous forme de bouteilles, ça c'est plus pour le goûter parce que c'est pratique à transporter quand on est à l'extérieur. Du parmesan, un tout petit paquet, pareil j'en ai besoin pour mes lasagnes et pour une autre recette, bah, je crois le risotto aux asperges. Donc de la marque Carrefour, des carrés crémeux, c'est l'équivalent des Kiri, voilà, ça je prends toujours dans la marque Carrefour aussi, je m'en sers pour plein de trucs, franchement le petit fromage bien rapide à étaler sur du pain pour faire des petits sandwichs, des petits wraps, etc. Du jambon en tranches, je ne sais plus si c'est pour une recette ou si je l'ai pris, pareil ça fait partie des indispensables pour faire des quiches, des cakes, etc. Des croque-monsieur ça va tout seul. 2 smoothies innocents, ça Inès le boit pas forcément tous les matins au petit déjeuner, mais le week-end c'est ce qu'on sort souvent pour faire un petit déjeuner sympa. Ces smoothies ils sont pas donnés mais ils sont vraiment excellents, il n'y a rien d'ajouté dedans, il n'y a pas de cochonnerie. Et vraiment ils sont très très bons, je crois que je les ai tous testés. Ça ce sont on va dire les 2 préférés de toute la famille. Toujours au rayon frais, les yaourts à la grecque, stracciatella.
Ce sont des yaourts qui sont assez riches, hein, y a de la crème dedans, etc. Donc c'est pas à manger en dessert, mais enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais après un repas un peu costaud, je pense que c'est un peu too much. Moi je mange ça le soir quand j'ai un petit repas léger et que je veux un bon dessert, c'est vraiment des yaourts que j'adore. Et enfin, au rayon frais, un pack de compotes. Je prends toujours des compotes sans sucre ajouté. Là c'est des Andros, mais franchement je prends pas forcément de la marque Andros, c'est juste que le panachage m'arrangeait bien. 4 pommes abricots, 4 pommes fraises, 4 pommes William et 4 pommes mangue, et elles sont très très bonnes. Les compotes de base c'est sucré parce qu'il y a beaucoup de fruits mixés, et pour faire un pot de compote il faut beaucoup beaucoup de fruits. Donc selon moi pas d'intérêt de rajouter du sucre, donc je les prends toujours sans sucre ajouté. Voilà pour le rayon frais. Ensuite le rayon épicerie sucrée, on va dire. Un paquet de Dinosaurus, ce sont mes biscuits préférés, je les adore. Je prends toujours qu'un seul paquet parce que si j'en prends 3, je mange les 3 paquets en 2 jours. Du chocolat Nestlé dessert pour faire des gâteaux, etc. Je crois que j'en avais plus. Des galettes maïs chocolat au lait chez Björg, vraiment très très beau en goût. Et si vous êtes allergique au gluten, c'est sans gluten, donc ça peut être intéressant. Ensuite j'ai pris des jus de fruits. Alors j'achète jamais de jus de fruits comme ça conventionnel, mais j'en amène pour le boulot demain parce que je travaille tout le week-end, donc on amène souvent un petit goûter. Donc j'ai pris orange, ananas, mangue, passion, je connais pas mais ça avait l'air bon, et jus de pomme et jus de mangue. Voilà, j'ai pris ça dans la marque Carrefour bio. Ensuite je mets ça dans le sucré mais c'est pour faire plein de trucs, hein. De la farine fluide, je prends toujours celle-là de chez Francine anti-grumeaux parce que j'en avais plus. Du pain d'épices, Quentin adore ça et Inès aussi, ce que je trouve assez surprenant parce que je sais pas, pour moi c'est un truc assez, le goût est assez particulier et je pensais pas que les enfants aimaient le pain d'épices, mais elle aime beaucoup ça, donc voilà, ils vont se le partager. Moi je suis pas hyper hyper fan. Des cerneaux de noix, j'en ai besoin pour une recette Joe aussi et je n'en avais plus. Et ensuite des boudoirs pour faire mon tiramisu, je voulais pas ce format là mais il y avait que ça. J'en profite pour vous dire que j'ai fait un article sur mon blog avec ma recette de tiramisu inratable, hyper simple et sans alcool. Je vous la mets sous la vidéo et donc bien sûr il me faut des boudoirs pour la faire. Donc là on a des boudoirs pour 10 ans mais bon, on en mangera comme ça ou je referai un tiramisu. Il faudra bien une solution. Pour faire du tiramisu il faut aussi du mascarpone mais j'en ai encore au frigo. Ensuite épicerie côté salé, j'ai acheté, alors ça je suis pas forcément consommatrice de ce type de choses mais c'était dans une recette Joe. Et par expérience quand j'essaye de changer un produit avec un autre ça réussit jamais, donc je me suis dit bah cale-toi sur la recette. Donc la marmite bouillon de légumes de chez Knorr, voilà, j'utilise pas trop de choses de ce genre là mais c'était dans la recette donc je respecte. J'ai pris un bocal d'olives vertes dénoyautées, c'est pour faire un cake. Idem pour la recette de cake, des tomates séchées en bocal. Ensuite j'ai racheté des pâtes, j'achète toujours les pâtes Barilla parce que je les trouve excellentes. Des linguinés pour une recette, des farfales, des petites torsades comme ça. Donc voilà, j'avais plus de pâtes donc j'ai repris 3 paquets. Ensuite pour l'apéro, des Pringles. Voilà, c'est vraiment pas bon pour la santé mais j'adore ça. Et un paquet de chips, les Tyrells sont vraiment très très bonnes. Ensuite des graissins au sésame pour grignoter, vraiment ceux-là sont excellents. Et une boîte de conserve de ratatouille de chez Casgrain. Alors les légumes en conserve c'est pas l'idéal au niveau des vitamines etc. Mais vraiment typiquement bah, les gnocchis le soir avec une ratatouille à côté, c'est le truc qui fonctionne bien quand je n'ai aucune inspiration et que j'ai pas le temps pour faire à manger. Et cette ratatouille-là elle est vraiment vraiment excellente si vous n'avez pas le temps de la faire vous-même. Et j'ai pris une bouteille de 25 cl d'huile d'olive Carrefour. Alors c'est probablement pas la meilleure mais c'est l'huile d'olive que j'utilise. Bah, typiquement pour faire les petites tartines au four, c'est l'huile d'olive qui va cuire. Donc pas besoin d'avoir une qualité exceptionnelle. J'ai de la très très bonne huile d'olive pour faire des vinaigrettes, pour des salades, etc. Ça c'est plus l'huile d'olive pour les cuissons. Et on m'a donné des échantillons de nouveautés. Donc c'est la bière 1664 0% bière blonde. Voilà, c'est le monsieur qui m'a amené mes courses qui m'a dit on a des échantillons à donner... de produits test aux clients, donc est-ce que vous en voulez deux? Bah, j'ai dit essayons. Et enfin, rayon un petit peu maison droguerie, du papier toilette, hein, parce que comme tout le monde, nous en avons besoin. Et une boîte de mouchoirs, j'achète toujours cela chez Carrefour. Voilà pour mes courses en grande distribution. Je vous retrouve dans les prochains jours, donc pour les autres endroits où je fais mes courses. Les vidéos vont pas forcément s'enchaîner dans le sens où vous allez peut-être voir des doublons, peut-être que je vais racheter des fraises ou je me rends pas compte, mais parce que je filme pas forcément tout la même semaine. Mais peu importe, l'idée c'est de vous montrer un peu des idées de recettes, des basiques que j'ai toujours dans mes placards et que je rachète toujours pour faire mes petites recettes au quotidien. Aujourd'hui c'est retour de chez le fromager. Alors on n'achète pas tout le fromage chez le fromager, il y a des poils de chat.
Mais la grande majorité, c'est plus cher, hein, c'est certain qu'en grande surface, mais la qualité est incomparable. Si vous êtes à côté d'Annecy ou que vous venez en vacances à Annecy, nous, notre fromager préféré, c'est Alain Michel, qui a 5 adresses à Annecy. Donc Annecy Centre, Annecy le Vieux, donc c'est à ne pas confondre avec le vieil Annecy, mais c'est vraiment une ville collée à Annecy, une ville un peu plus résidentielle. Cran-Gevrier, Pringy et La Clusaz si vous allez en altitude. Alors Quentin va nous faire un débrief de ce qui a été acheté. Ça c'est de la tome, c'est marqué tome de Chartreuse, mais moi je croyais que c'était tome des Chartreux. Bon bref, chez ce fromager donc il y a plusieurs tomes, mais ça c'est vraiment sa préférée. Ensuite, je nous fais le guide. Hein. Mimolette. Ah, mimolette jeune. Oui. Ok. La dernière fois on avait pris de la vieille. Un énorme morceau de comté. Pareil, il y a plusieurs affinages. C'est quoi? C'est du 18 mois ça ou quelque chose comme extra. Ça extra. Donc ça part tout seul et Inès adore ça. Enfin, je dis ça mais en fait je crois qu'elle aime vraiment tous les fromages comme nous. À part peut-être des fromages hyper bleus. Ça c'est le cœur savoyard, j'adore. C'est un peu crémeux, c'est vraiment un de mes fromages préférés. Je crois qu'il y a à peu près que moi qui en mange. Je suis pas sûre qu'Inès elle aime trop celui-là. Elle est plus Tom Comté. Et Reblochon, mais on en a encore au frigo. Et saucisson, alors c'est un fromager, je sais pas, un charcutier, mais il a un saucisson qui est un peu fumé, qui est délicieux. Voilà, juste pour info, tout ça, donc le morceau de comté est énorme, hein. Il fait presque 500 grammes, donc voilà, juste pour que vous ayez un peu une idée des prix, Quentin en a eu pour 33 euros, donc voilà, comme je vous disais, c'est plus cher qu'en grande distribution, c'est certain, mais on fait partie des gens qui aiment bien mettre un peu d'argent dans le fromage et peut-être moins d'argent dans d'autres postes de dépenses, mais... Le fromage, c'est toute notre vie. Et les emballages sont très bien faits, ça conserve bien les différents fromages, donc on les laisse dedans au frigo. Parfois, on les remet dans une petite cave qu'on a dans le frigo, mais très souvent, ils restent dans les emballages. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la virée chez Picard. Alors, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre partie de la vidéo, mais vu que je filme pas le même jour, je me souviens pas de ce que je dis, mais Picard, c'est notre deuxième maison. Voilà, on a pensé cette cuisine presque autour des congélateurs. Moi je congèle tout, en fait je fais très rarement à manger pour 2-3 personnes, je fais très souvent pour 4-6-8 et après je congèle des portions. Ça m'aide pour le travail, pour juste emmener une boîte que je décongèle la veille au soir pour la manger le midi. Quand il y a l'un de nous qui mange seul à la maison pour réchauffer un truc un peu rapide le soir, enfin vraiment moi la congélation c'est toute ma vie. Donc Picard c'est vraiment un magasin dans lequel on se rend très souvent et d'ailleurs c'est très souvent Quentin qui y va, donc aujourd'hui c'est lui qui est allé. Je comprends tout à fait, c'est très agréable de faire ses courses là-bas, déjà il fait frais, les gens sont adorables vraiment, je ne sais pas comment il fait le recrutement chez Picard mais au niveau du personnel je trouve que c'est toujours incroyable, il y a beaucoup de choix, alors tout n'est pas bon à prendre, chez Picard il y a bien sûr des plats transformés, vous allez voir qu'il y en a quelques-uns, là vraiment je vous montre la réalité, mais il y a aussi des mélanges de légumes, par exemple quand j'ai une recette que je veux faire en plein hiver qui contient des courgettes, je vais acheter des courgettes chez Picard, parce qu'elles auront été cueillies au bon moment, puis congelées, donc ça m'évite voilà, de consommer des légumes qui ne sont pas de saison. Enfin, ça reste des légumes qui ne sont pas de saison, mais en tout cas, on les consomme de façon plus raisonnée. Donc, le congélateur n'était pas complètement vide, là, mais voilà, on a trouvé que c'était le bon moment pour y retourner. Donc, on a deux petits congélateurs côte à côte. Je vous mets sur la vidéo, ici, une vignette pour vous renvoyer vers la vidéo organisation de la cuisine, parce que je vous avais parlé un petit peu de, voilà, de la façon dont on s'organise pour les repas. Donc on a deux fois trois tiroirs, sachant que comme dans tous les congélateurs, l'un de ces trois tiroirs est toujours plus petit parce qu'il y a le moteur du congélateur derrière. Donc ça permet quand même d'avoir assez de stockage. Qu'est-ce qu'on achète chez Picard? Principalement de la viande, du poisson. Alors moi je mange pas de poisson, pas de crustacés, mais bien sûr Quentin et Inès en mangent. Je vais pas leur interdire d'en manger. Parce que c'est vrai qu'on achète assez rarement de la viande chez le boucher, comme je vous avais dit, parfois uniquement le jour même quand on sait qu'on va la consommer tout de suite, mais sinon on est très viande et poisson congelés, surgelés. J'ai jamais trop su la différence entre surgelé et congelé, je ne sais même pas s'il y en a une. Bref, j'achète des paquets de légumes, donc absolument pas transformés, juste des légumes coupés en morceaux. Ça me permet de gagner du temps, de consommer des légumes qui sont pas forcément de la bonne saison et vraiment pour un aspect pratique. C'est vraiment top. Alors rien ne sera jamais meilleur qu'un légume frais, le congelé c'est un tout petit peu moins bien, mais je crois qu'en termes de qualité nutritionnelle c'est pas la catastrophe, mais c'est toujours mieux de consommer des légumes congelés que pas de légumes du tout. Donc en parlant de légumes, habituellement on achète plusieurs poêlées, soit des mélanges de légumes, soit des petites fleurettes de brocolis, des choses comme ça, mais on en avait encore pas mal. Là il y a des choux de Bruxelles qu'on a déjà au congélateur, on a des épinards, des brocolis, une petite brunoise à la méridionale.
Et encore autre chose, donc là je crois que Quentin n'a pas acheté de légumes parce qu'on avait déjà ce qu'il fallait. Je vais avancer assez vite parce qu'il faut quand même que je le range. Il a acheté des filets de limande façon meunière. Bon, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut parce que, comme je vous l'ai dit, je ne mange pas de poisson. Les cordons bleus au Beaufort AOP, ils sont vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Bon, c'est pas extrêmement bon pour la santé, mais à manger avec des légumes, c'est bien. Ensuite, les steaks hachés, 5% de matière grasse, un grand classique. Je m'en sers pour faire par exemple des lasagnes si j'ai pas de viande hachée sous la main. Ou pour manger en guise de steak haché bien sûr, donc ça c'est vraiment vraiment la base. Et Quentin a acheté pour lui, mais j'aime pas trop les hachés au cheddar et au bacon. Comme je vous disais, il y a quand même pas mal de repas qu'on fait l'un sans l'autre, si je suis au travail, s'il rentre manger le midi, que je suis pas là, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il mangera seul. C'est, objectivement c'est très bon, c'est juste que moi c'est pas trop à mon goût. Ensuite, dans les choses un peu préparées, des galettes au sarrasin, jambon et mental, ça c'est vraiment pour les soirs où il n'y a pas d'inspiration. Ça passe tout seul. Pour l'apéro, les bâtonnets panés à la mozzarella qui sont excellents. On les a déjà pris, je crois. Ils sont vraiment, vraiment délicieux. En viande, encore des aiguillettes de poulet aux épices tandoorie. Je crois pas qu'on ait... Non. Je regarde à côté de l'écran, mais Quentin est derrière. Je crois qu'on a déjà pris les aiguillettes classiques, celles au citron, mais celles-là ne disent rien. Donc c'est du poulet mariné. Ça, ça va être excellent à réchauffer pour un plat. Le midi, c'est chouette aussi. Les boulettes de viande à la suédoise, moi j'ai une passion pour ça, je sais pas si j'ai été suédoise dans une vie intérieure, mais vraiment, parfois je vais chez Ikea rien pour ça. Donc sachez que ça existe aussi chez Picard et c'est tout aussi bon, il n'y a juste pas la sauce qui va avec, en tout cas je crois même pas qu'ils la commercialisent. Après pour changer un peu des pâtes et du riz en féculent, on prend souvent des préparations de voilà, base de pommes de terre. Donc là ce sont les frites extra fines. Ça existe dans plein de découpes particulières, ça non plus je crois qu'on n'a encore jamais testé. Vous avez vu comme on est curieux, on teste plein de nouvelles choses. Et les rush type pommes de terre, ça on adore et je crois qu'on les a déjà pris. Pareil, ça se réchauffe à la poêle, c'est assez rapide. C'est un peu pour les soirs sans inspiration. Ensuite les petits plats préparés comme ça, on en prend toujours quelques-uns aussi. Idem pour les midi où il faut que ça aille vite. Mac and cheese au jambon, ça existe en plusieurs portions, ça ce sont celles qui sont assez hautes de 400 grammes, donc ça sera pour Quentin, moi ça ferait un peu trop en quantité, j'ai un bon appétit mais je crois que 400 grammes c'est vraiment beaucoup. Le poulet petite pâte sauce aux champignons, un grand classique, et ça c'est excellent aussi, les gnocchis aux chèvres et aux épinards sauce à la tomate. Voilà, on est sur des plats préparés, à nouveau je vous dis, c'est pas, ça représente pas l'intégralité de notre alimentation, sinon il faudrait se faire du souci, mais voilà, si je suis tout à fait honnête, ce sont des choses qui nous arrivent de consommer. Et ça je crois que c'est pour ce midi, c'est ça? Les mezze, si vous aimez la cuisine libanaise, c'est délicieux. Donc vous avez 4 falafels, 4 sambousek au bœuf, 4 ricacates au fromage, de la sauce à la purée de sésame. Donc ça, ça part pas au congélateur, ça va être dégusté tout de suite. Je crois qu'on va les manger ce midi. On avait un super traiteur libanais là où on habitait avant et à Annecy, bon à vrai dire je me suis jamais vraiment renseignée. Il y a peut-être quelqu'un qui fait ça tout aussi bien que là où on était avant, mais écoutez, ces petites boîtes font très très bien l'affaire. Voilà pour les achats chez Picard. Un total de 64,78 euros très exactement. Ça part en congélateur tout de suite. Et puis je vous retrouve un peu plus tard, soit aujourd'hui, soit demain, pour le retour de chez le primeur. Coucou, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de la vidéo. Je suis de retour de chez le primeur avec... mon caddie de grand-mère, mais écoutez, il est très pratique ce caddie. Donc le primeur, il est vraiment à 200 mètres de chez nous. Donc j'y vais très souvent à pied. Il se trouve que là, j'ai posé Inès à l'école, donc je suis allée, j'y suis passée sur le retour de voilà, de l'école. Donc j'étais en voiture. Mais ce caddie, en fait, il est toujours dans mon coffre et je m'en sers même juste pour faire les courses dans le magasin parce que je peux tout mettre dedans, c'est hyper pratique. Alors chez mon primeur, comme dans majorité des magasins de ce genre là j'imagine, il y a bien sûr des sacs en papier, des sacs en, on dirait du craft pour faire ses achats. Moi j'utilise depuis longtemps des petits sachets comme ça, des petits bochons en, je sais pas, on dirait de la mousseline. J'ai acheté ça chez Casidomi. Les sacs sont tarés dans le sens où il y a une tare. Ils font tous exactement 13 grammes. Alors moi je demande pas à ce que les 13 grammes soient retirés pour chaque achat. Je pars du principe que ça fait à peu près le même poids qu'un sac en papier, mais voilà, ils ont au moins l'avantage d'être tous exactement du même poids. Pour vos achats en vrac, vous pouvez bien sûr réutiliser aussi des tote bags en coton, des choses comme ça, mais attention parce qu'ils peuvent peser parfois assez lourd, donc voilà, moi je sais que 13 grammes ça me convient bien.
et je les range ensuite tous dans l'un de ces grands pochons et je garde ça toujours dans mon caddie. Comme ça j'ai toujours toujours ça dans ma voiture ou quand je pars faire les courses à pied. C'est hyper pratique, ça peut arriver qu'il se tâche avec des aliments qui tâchent. Je trouve pas d'exemple, un fruit qui s'écrase ou autre, ça passe en machine, ça ressort intact, donc je trouve que c'est une très bonne alternative au sachet jetable. Même si moi pendant longtemps avant d'avoir ça, j'utilisais des sachets en papier qu'on donne dans les commerces et je les réutilisais jusqu'à ce qu'ils soient déchirés. Mais c'est sûr que ça c'est forcément plus durable. J'essaierai de vous trouver un lien, ça existe dans plusieurs tailles. Et je ne sais pas quelle est la taille de celui-là, mais voilà, c'est quand même un assez grand format, donc j'arrive toujours à faire rentrer les quantités que je veux, sinon je fais tout simplement deux petits sacs. Mon primeur vend essentiellement des fruits et légumes français et de saison, donc déjà globalement rien qu'en rentrant dans le magasin, normalement je dois trouver des choses qui sont de saison. Je vous l'ai déjà dit dans une autre partie de la vidéo, mais moi je suis davantage attirée par les choses de saison et locales que par le bio. Je vous donne un exemple, moi je préfère vraiment acheter des tomates françaises plutôt que, et non bio, plutôt que par exemple des tomates espagnoles ou marocaines et qui sont bio. Voilà, je fais davantage attention à la provenance des fruits et légumes que au mode d'agriculture qu'ils ont subi. Voilà, c'était un point de vue tout à fait personnel, je ne demande pas du tout aux autres personnes de partager ce point de vue, mais voilà, ça explique un petit peu mes choix. Donc voilà, le primeur vend essentiellement des choses de saison et locales, sauf rares exceptions. Je vous donne un exemple, aujourd'hui j'aurais bien voulu acheter un melon, et le melon venait du... Enfin les melons qu'ils vendent actuellement viennent du Maroc, c'était une des rares exceptions dans le magasin. Je pense pas que le Maroc soit un pays connu pour la qualité de ses melons, donc je vais tout simplement attendre qu'ils vendent des melons français, des melons charentais, voilà, comme ça sera la période, donc je pense que ça devrait pas tarder. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais je suis absolument pas parfaite. Vous avez vu plus tôt dans la vidéo que j'achète des champignons en paquet, cellophane, au supermarché. Vraiment, j'essaie juste de faire de mon mieux, mais tout n'est pas complètement parfait. Alors, pour les fruits, tout d'abord, j'ai acheté des pommes. Ce sont des pommes, pommes et poires de Savoie. Je ne me souviens plus du nom de la variété, mais j'en ai pris 4. Elles sont assez grosses, elles sont très sucrées, très juteuses, elles sont vraiment très bonnes, je les connais déjà. J'ai repris des bananes, on fait une consommation de bananes assez incroyable. Je crois qu'elles viennent de Martinique, voilà, ça c'est typiquement le fruit qu'on peut pas acheter en France métropolitaine, mais j'essaie de les prendre françaises quand même. Donc celles-ci je crois qu'elles sont martiniquaises. Ensuite, des tomates, je prends très souvent des tomates grappes comme ça, et des petites tomates cerises. Pourquoi? Parce que les tomates cerises c'est sympa à l'apéro, je m'en sers aussi pour faire des sauces. Je trouve que dans une sauce tomate c'est vraiment très très bon pour faire une pizza ou une sauce pour aller avec des pâtes. Et les tomates grappes ça fonctionne très bien aussi dans une sauce, mais je m'en sers davantage pour faire des salades ou une petite tomate mozza. Vous allez voir, j'achète jamais de grandes quantités parce que je m'y rends en fait assez souvent et que les légumes et les fruits ça s'abîme quand même assez vite. Donc vu que c'est juste à côté de chez moi je peux y aller souvent et on n'est que 3 à la maison, enfin 2 et demi puisque Inès ne mange pas des portions d'adultes. Donc c'est sûr que si vous avez une famille de 5 ou 6, vous allez trouver des portions un peu ridicules, mais voilà, c'est pour aller en lien avec notre mode de consommation. Bon, je mélange fruits et légumes, mais ça n'a pas d'importance. Les fraises, alors moi c'est mon fruit préféré, vraiment j'adore les fraises. Celles-ci viennent d'Isère et j'ai acheté 2 barquettes de 500 grammes parce que vraiment, je sais qu'il y a une barquette qui va être mangée ce soir et l'autre sera mangée demain parce qu'on aime vraiment tout ça à la maison. Les fraises, on les mange vraiment juste coupées en morceaux dans un bol, je fais pas de recette avec. C'est tout à fait possible, mais vraiment moi je les aime nature comme ça. Éventuellement quand elles sont un peu en fin de course, mais ça arrive très rarement parce qu'on les mange assez vite, je peux éventuellement faire un smoothie ou quelque chose comme ça pour les mixer si elles sont un peu abîmées, mais en règle générale on les mange vraiment telles quelles. Dans les légumes j'ai pris un concombre français aussi, souvent je fais une petite salade de concombre en entrée avec une sauce à base de fromage blanc, un peu de citron, un peu de ciboulette, tout le monde aime ça, c'est vraiment très très simple. On peut faire des soupes glacées aussi à base de concombre en été, ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais rien que d'en parler ça me donne envie d'en refaire. Et des radis, alors Inès adore ça et nous aussi, et j'ai choisi la botte avec les plus gros radis parce que c'est comme ça que je les préfère. Voilà, c'est très très simple à cuisiner. Je n'ai jamais personnellement mangé les fans de radis, mais je sais qu'on peut faire des soupes, il y a même des recettes à base de fans de radis. Donc il faudrait que je me renseigne parce que c'est vrai que c'est dommage, moi à ce jour, toute cette partie verte part à la poubelle. Alors ensuite, des kiwis. Mon primeur vendait des kiwis de Nouvelle-Zélande, qui est un pays assez connu pour ses kiwis je crois, et des kiwis corses. Alors voilà, j'en ai pris juste 2 parce que Inès n'aime pas trop ça, Quentin n'aime pas ça j'en suis sûre, mais je crois qu'Inès n'aime pas trop non plus. Et à l'inverse des endives, moi je déteste ça. Inès je crois pas qu'elle aime trop ça non plus, en tout cas pas en salade. En salade c'est pas possible. Cuite pourquoi pas, mais Quentin aime beaucoup les salades d'endives, donc voilà, j'en ai pris que 2 du coup.
Et mon primeur, comme beaucoup de primeurs, vend bien sûr des fruits et légumes et puis aussi plein d'autres petites choses, des produits frais, de la crème, des œufs, du lait, etc. Tout ça, j'achète rarement chez lui. Les œufs, ça m'arrive s'il m'en manque parce qu'ils sont très très bons en plus. Et vu qu'on est en Haute-Savoie, il a aussi toute une vitrine de fromage. Donc vous avez vu dans la vidéo le fromage que j'achète directement chez le fromager. Mais ce que je prends chez mon primeur, c'est le reblochon parce qu'il est excellent. Il est beaucoup moins cher que chez mon fromager. Alors il est plus cher qu'au supermarché, mais vraiment en rapport qualité-prix, c'est de loin le meilleur. Voilà, moi j'adore le reblochon, c'est un de mes fromages préférés. Alors ça, sur un morceau de pain, un gratin, tartiflette, c'est plus trop la saison, mais voilà, le reblochon toute ma vie. Au lait cru et puis avec l'appellation reblochon fermier, il est vraiment vraiment excellent. J'en profite pour faire un point culture au sujet du reblochon. Je crois que c'est quelque chose que tous les Haut-Savoyards et les Savoyards savent, mais si vous êtes dans le reste de la France, peut-être que vous ne le savez pas. La différence entre le reblochon fermier et le reblochon fruitier, alors les puristes ne consomment que du reblochon fermier, ça veut dire que le reblochon est issu de lait d'une ferme bien particulière, donc des vaches qui sont dans cette ferme. Et le reblochon fruitier, le lait provient d'une fruitière. Une fruitière récolte du lait de plusieurs fermes. Donc on va dire que c'est du reblochon un tout petit peu plus bas de gamme parce que donc, ce sont des mélanges de lait. Alors ça reste toujours du lait de vache, hein, donc il n'y a pas de catastrophe. Moi je suis pas vraiment puriste dans l'âme. Dès que c'est du reblochon de bonne qualité, franchement tout me va. Mais du coup, il vaut mieux privilégier le reblochon fermier qui a des qualités nutritionnelles, des qualités gustatives plutôt, qui sont nettement supérieures. Voilà pour cette vidéo retour de course. Du coup je l'ai filmée sur plus de 10 jours, mais je pense que ça vous donne un peu une idée des endroits où on fait nos courses pour les repas du quotidien. Donc je vous redis, mais moi je suis pas une grande cuisinière, en ce moment on reçoit absolument personne chez nous, donc j'ai pas besoin de faire des achats particuliers pour des recettes ou autres. Je suis pas une experte en la matière, il y a des gens qui cuisinent vraiment que des choses locales, de saison, bio, avec des super ingrédients. Moi j'en suis pas du tout là, mais voilà comment on mange au quotidien. Si ça peut vous donner des idées, en tout cas j'en suis ravie. Et je vous retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon dimanche.